En rang, les enfants, allez, allez, et en silence. Du calme, les enfants. Mettez-vous en rang. Où est ta cousine, Martine? Elle ne va pas tarder, madame. Allez, vous pouvez entrer. Ta cousine? Virginie? Oui, elle vient faire son stage professionnel. C'est lui qu'on fait quand on est au collège. Elle va assister Delphine. Enfin, si elle arrive. T'inquiète pas, il suffit juste qu'elle arrive à décoller sa tête de l'oreiller. Le triangle équilatéral, le triangle isocèle et le triangle... Entrez. Bonjour. Désolée. Ah, je vous présente Virginie qui est en stage avec nous pour la semaine. Encore un peu et tu es arrivée pour l'heure du goûter. Allez, viens t'installer à côté de mon bureau. Toute la semaine? Chouette, ça va être super. Elle a l'air sympa, ta cousine. Elle est belle. C'est comment la récré au collège? Et t'écoutes quoi comme musique? Et la maîtresse, elle t'a dit les contrôles qu'on allait faire? Pas tous en même temps, là. Prenez un ticket. Oh. Virginie, tu viens jouer à la corde? À la corde? N'importe quoi! Désolée, mais j'ai passé l'âge. Je suis au collège, moi. Oh. Oh. Allez, viens, c'est pas grave, on va jouer. Pourquoi pas à la poupée, tant qu'on y est? Claire voulait être sympa. Essaie d'être sympa, toi aussi. Bah quoi, j'ai rien dit de mal. De toute façon, je voulais pas faire mon stage ici. Mais il y avait plus de place nulle part. C'était soit ça, soit le centre équestre. Et tu me connais, je déteste les poneys. Enfin bon, au moins ici, je suis sûre d'avoir une bonne note sans rien avoir à faire. Vous voyez, il faut toujours regarder la rose des vents qui est au coin de la carte. Elle vous aidera à trouver le nord sur votre boussole. Aujourd'hui, nous allons étudier... Madame, elle dort! Virginie, tu t'intéresses un peu? C'est important pour la sortie de demain. Oui, j'ai déjà appris ça des millions de fois. La carte, la boussole et tout, et tout. Quel est l'opposé du nord? Eric? La plage? Le sud, Eric. L'opposé du nord, c'est le sud. La plage? Il est franchement pas doué, lui. Tout le monde peut se tromper, Virginie. Et on ne se moque jamais des élèves. Il faut toujours les encourager. Tu feras attention. Oui, promis. Bien, je te fais confiance. Je suis déçue par ma petite stagiaire. Si elle continue, je vais devoir lui mettre une mauvaise note. L'impertinence et l'insolence sont les plaies de notre jeunesse. Alors, comment s'est passée cette première journée de stage? Ça s'est super bien passé. Ils m'ont tous trouvé génial. C'est bien, ma fille. Oh, je suis fière de toi. Eh oui. Une énergie exceptionnelle. Tu sais, c'était pas si génial que ça aujourd'hui. Hein? Bah quand même. Et je crois que la maîtresse n'est pas très contente. Ah bon? Alors fais un effort.
En plus, demain, c'est la sortie. Oh, mais oui, t'inquiète, relax, Martine. On y va, mademoiselle l'institutrice. Et mets ton réveil. Quand même. Eh, hey, t'es sûre que ta cousine vit sous le même fuseau horaire que nous? Oups! Mon réveil a pas sonné. Viens prendre ma place, s'il te plaît. J'ai des coups de fil urgents à passer pour finir d'organiser la sortie. J'y suis. Tu peux les surveiller? Bah, garder des petits, ça doit pas être si compliqué. Je peux même leur faire une leçon. Oh, une leçon? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Contente-toi de les surveiller. Ça ira très bien. Tu t'es trompée, là. Ah bon? Ça fait 72, pas 8. C'est une division, pas une multiplication. D'accord, mais 3 fois 4, ça fait 14, pas 12. 3 fois 4, 14! Ça va. Pour une fille qui est au collège, elle est franchement pas douée. Tout le monde peut se tromper, ça arrive. Pas quand on dirige une classe. Va t'asseoir, je vais les surveiller. Ça va pas, non? C'est moi la stagiaire, pas toi. Une stagiaire avec un niveau de maternelle. Hé hey! Tu me parles pas comme ça, c'est moi l'adulte ici. Virginie, je te laisse ma classe 5 minutes et c'est déjà la pagaille. C'est pas moi, c'est elle qui a commencé. Bon, tout est organisé pour la sortie surprise. Levez-vous, on y va. Je compte vraiment sur toi pour que tout se passe bien pendant la sortie. Il faut être sérieuse maintenant. D'accord. Madame, on va où? Allez, dites-le nous. Si je vous le dis, ça ne sera plus une surprise. Oh non, le cauchemar! Pas les poneys, tout, mais pas ça, c'est horrible! C'est sale et ça sent mauvais. Oh. Elle plaisante, madame. Elle adore les poneys. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour une course d'orientation. Tu fais bien attention à eux, Virginie. Ils sont sous ta responsabilité. Vous avez tout? La carte, la boussole? Oui, madame. Bonne chance. Bonne chance, tu parles. On est dans le pire groupe de tous les temps. On y va, là. Les autres doivent déjà être arrivés. Elle est vraiment nulle de chez nulle. C'est débile. Ça devrait être moi, la chef du groupe. Bon, bah alors, on y va? Le nord, c'est là, donc le sud, vers là. Alors, il faut prendre à droite. Allez, on y va, là, faut avancer. Oh, attendez, c'est moi la responsable, il faut que je vérifie. J'ai pas besoin de ça, ça sert à rien. Tu la tiens pas à l'envers? Merci, mais j'ai l'habitude. En ville, on lit tout le temps des cartes dans le métro. Heureusement que j'ai vérifié, il faut prendre à gauche. À gauche? T'es sûre? N'importe quoi, il faut aller à droite. Oh, mais c'est pareil, la droite, la gauche, on arrivera tous au même point. C'est pas la forêt amazonienne non plus. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas de bête sauvage par là. Perdu. Mais bien sûr qu'on s'est perdu. Ça fait 2 heures qu'on est perdu. Oh, dites, vous entendez pas des trucs?
me diras quand on cherchera la plage. Oh, ça va. Oh, c'était quoi? Bon, ça suffit maintenant. Virginie, tu donnes la carte à Rico. Vous deux, vous retrouvez le chemin. Tiens, la boussole. Nous, on va chercher Claire. J'espère que son poney ne va pas la faire tomber. Oh, tout ça, c'est ma faute. J'ai fait n'importe quoi. On est là, tu vois pas? Là! Oh, mais non, on est de l'autre côté. Regarde, le nord, le sud. Enfin, on vous retrouve. Où sont les autres? Par là. Mais non, par là. Ah, au secours! Oui, 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 mes fesses, oui. Là, je la vois. Comme ça depuis le début de ton stage. Virginie, comment as-tu pu laisser seule la moitié de ton groupe? C'est vrai, madame. Elle nous a abandonnés. Et Rico a eu la peur de sa vie. Oh. Émilie a raison, j'ai fait que des bêtises. Mettez-moi la note que vous voulez, même une très mauvaise, c'est normal. Heureusement que t'étais là, toi. Bon, je vais réfléchir. Fais des efforts jusqu'à la fin de la semaine. Et tu auras peut-être la moyenne. C'est gentil. Je me disais, pour me faire pardonner, je pourrais peut-être venir avec ma guitare en classe et jouer un petit morceau, non? En musique, pour le coup, je suis plutôt douée. J'aimerais bien voir ça.